Salut tout le monde, c'est Wanigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir un tri-pack Écarlate et Violet avec la carte promo d'Oyakata. Et ensuite, on ouvrira donc un coffret Zénith Suprême, collection spéciale Pikachu V-Max, avec la carte Jumbo de Pikachu en format Gigamax, et donc deux cartes promo, Pikachu V et Pikachu V-Max. Donc la même que la Jumbo, et à l'intérieur apparemment il y aurait 5 boosters Zénith Suprême. Donc c'est parti, les boosters m'intéressent fort, je pense que c'est des boosters avec des forts quotas. Donc entre Écarlate et Violet et Zénith Suprême, je pense qu'on va pas être déçu, on verra. Donc c'est parti. Hop. Je vais mettre la carte promo sous protège-carte. Voilà. Et donc c'est parti avec donc la carte promo d'Oyakata. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, hein, les petites bulles là autour. Elle est vraiment belle. Donc la carte promo SVP 12. Donc SV pour Scarlet Violet. P pour promo. Donc vraiment vraiment cool. Je vous la remontrerai en fin de vidéo avec ce qu'on aura eu. Et donc des boosters, 3 boosters Écarlate et Violet avec 2 Miraidon et un Coraidon. Donc c'est parti sur les Miraidon. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Touk. Donc le symbole pour la série SVI ou SV1, pardon. Et donc c'est parti. Gourmelet, Flabébé, Caninos, Étourvol, Dunaconda, Hera, Étouraptor. Derrière, Pokématos 3.0 en commune reverse. Et donc derrière, soit on a une reverse, soit on a une GG. Je crois que c'est une GG à ce moment-là. Donc une secrète. Et après, soit après la secrète, soit après la reverse, on a soit l'ultra, soit une simple rare qui sera forcément holographique. C'est parti. Hop, 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 hop. J'ai tout spoil. Bon, bah déjà, on a tapé une secrète. La 249 sur 198, c'est Pepper. Elle est vraiment belle. Par contre, le visage de Pepper n'est pas comme dans le jeu vidéo, je trouve. Son sourire n'est pas le même. Je sais pas ce que vous en penserez, mais. Par contre, très très belle carte Full Art, avec la table de pique-nique. Et donc derrière, Craparoi en simple holographique. Donc c'est une simple rare. Mais très bien pour la Pepper. On va la mettre sous protège-carte. Allez hop, je vous la remontre rapidement. Très très belle, hein. Avec les doubles étoiles. Donc c'est vrai que maintenant les raretés, ils ont mis plusieurs. Il y a les doubles étoiles dorées, il y a les doubles étoiles argentées. Pour l'instant, je suis un peu perdu, mais je pense que ça va être simple à comprendre. Hop, allez, on est parti, deuxième booster. Donc déjà dans le premier, on a eu quelque chose. C'est assez dingue. Donc là, si on n'a rien dans le tri-pack, c'est pas très grave. C'est parti. Magnéti. Échange d'énergie. Vrombi. Flingoust. Lucario. Plastron Rock. Balbalaise. Donc là, la première reverse. Canarbello. En peu commune reverse. Et donc derrière, soit on a une secrète. Non. Donc une autre reverse. La Rongourmand en commune reverse. Il y a un petit défaut sur celle de Canarbello. Je sais pas si vous le verrez, mais le losange n'est pas complètement fermé. Si la macro veut bien. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, petit défaut. Et derrière, Trousselin en simple rare. Ok, et énergie. Combat roche. Sol. Voilà. Allez, dernier booster, on est sur le Coraidon. Moi, je suis déjà très satisfait de la carte de Pepper, mais plus on en a, plus on est content. Zapetrel, Escroco, Ferrosinge, Tapatoès, Unaconda, Hera, Étourraptor, Balignon en commune reverse, derrière Chevroom en commune reverse et Scalpereur en simple rare, énergie feu. Ok, donc voilà, on aura eu Pepper dans le tri-pack, c'est quand même pas mal. Et donc derrière, on va ouvrir le coffret Zénith Suprême.
Alors on enlève le carton. Ensuite on enlève la première couche. Putain, ils ont accroché ça quand même. Ah oui, ok. Ils ont cranté le coffret, quoi. Ok. On enlève le plastique. On récupère les cartes promo. On met sous protège-cartes, j'en ai plus assez. Elles sont vraiment belles, les cartes de Pikachu. J'adore la Pokémon V, surtout. Petite préférence. Je vais vous la montrer tout de suite. Je sors quelques protège-cartes. Ok, on est reparti. Donc, la carte Pikachu V. Vraiment très très belle, hein, avec l'effet de vitesse sur sa queue. Je trouve que le Pokémon est très très beau. Par contre, attendez, il y a un défaut sur la carte ou c'est moi qui ai mis une poussière? Ouais, c'est bon, c'était dans le protège-cartes. Bah non. Attendez. M'en sortir. Non, la carte est comme ça. Alors il doit y avoir un petit défaut. C'est bon, je l'ai enlevé. Ok, on aurait dit un grain de beauté sur Pikachu. Voilà. Donc SWSH 285 et la VMAX, donc un Pikachu Gigamax SWSH 286. Donc on a la même en jumbo, je vous la montre. Voilà. Donc tout à l'identique d'une carte Pokémon, mais en format jumbo. Et donc on a bien 5 boosters Zenith Suprême, donc avec l'illustration de Zacian et Zamazenta. Et donc c'est parti. Donc pareil, hein, là on a des ratios assez, assez costauds dans les Zenith Suprême, puisque la Reverse peut être remplacée par une Ultra... Je sais plus quel type d'ultra, une secrète ou je sais plus. Mais voilà, il y a de quoi faire. Donc c'est parti. Hop, on enlève le code. Ok. Donc le symbole pour la série. Et donc c'est parti avec Manglouton, Ceribou, Nonef, Rocabo qui crie à la lune, Chakripan, donc derrière Hyperbole un peu comme une reverse, et... Igualta en simple rare, énergie plante, super bol, grave avalanche et super bonbon. Allez, il nous reste 4 boosters. Vraiment, je vais te dire que on va avoir 2 ultras. Ça me paraît être un bon ratio. Même s'il n'y a que 5 boosters, je pense que sur du Zenith Suprême, on peut espérer ça. Donc c'est parti. Emolga, Manglouton, Ceribou, Naneuf. Rocabo qui crée la lune. Celeroc en peu comme une reverse. Et Argoust en simple rare. Très sympa, hein. Fait très Pokémon dominant, soleil et lune. Énergie eau, Malamandre, Vortante. Et on termine avec Girafarig. Ok. Allez, il nous reste 3 boosters. Pour l'instant, on n'a rien. Rien de fou. Rien d'ultra. Allez, on y croit. Smogo, Kenotor, Pritox, Chakripan, Larvibulle derrière. Noix de coco en rare reverse. Je crois pas que ce soit une holo. Et Igualta, qu'on a déjà eu. Énergie acier, Vortante, Girafarig. Et on termine avec échange d'énergie. Pour l'instant, ça se passe pas très bien. Le coffret est pas fou. Il nous reste plus que 2 boosters. On a 4 possibilités d'ultra. Vu qu'on peut remplacer la reverse par une ultra. Mais je n'y crois pas. Je pense que deux on peut toujours l'espérer, hein, vraiment. C'est parti. Lixi. Sinon, vraiment, le coffret est pas terrible. Hein. Monsieur Mime de Galar. Tournegrin. Déjà tapé une, au moins une ultra. Smogo. Kenotor. Oh, énergie en reverse. Elles sont pas trop. Elles sont assez rares. Donc plutôt cool. Et celle-ci est pas trop rayée, souvent elles sont très très rayées. Là il y a quelques rayures, mais ça va. Derrière, oh, Cizayox en simple rare, ça me fait sourire parce que j'ai un Cizayox dans mon Nuzlocke sur Pokémon Argent sous Silver en ce moment. Énergie acier, Galégon,
Amitsino et on termine avec Ortid. Ok. Je me garde quand même l'énergie River, je trouve qu'elle est cool. Mais il me faut au moins une ultra. Hein. Vraiment. Dernier booster pour espérer un truc. Allez. Venalgue. Galvarin. Moumouton. Lixi. Pendespiègle. Ortide, un peu comme une river, c'est derrière. Oh putain. Cravarèche en simple rat. Elle est quand même très très belle. Hein. En noir, rien nu dans le coffret. Energio. Gravalanche. Super bonbon. Et on termine avec Luxio. Bah, la récap va aller assez vite. Heureusement, dans le tripack, on a eu quelque chose. Parce que ça n'a pas été la folie. Alors, on va commencer par les cartes promo. Donc, on a eu Pikachu V, SWSH 285. J'aime beaucoup, hein, l'illustration est vraiment très très belle. Derrière, le Pikachu V Max. Donc, Dynamax, ah, Gigamax, pardon. SWSH 286. Qui est sympa aussi, mais un peu, voilà, un peu plus standard. Et le Oyakata de Écarlate et Violet. Donc, en carte promo, numéro 12. Elle brille même, les éclaboussures sur son corps brillent, c'est fou. Et donc après, donc bon, je garde quand même la reverse de type feu, bah, l'énergie de type feu. Et on a eu Pepper dans Écarlate et Violet, la 249 sur 198. Voilà, donc la récap ça va aller très très vite. Voilà, trois cartes promo, une ultra et une reverse un peu sympa. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on sera un peu plus chanceux. Salut!